Bonjour tout le monde, c'est ClacUEFTB. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série donc sur Fallout Shelter. Donc, on va créer un abri. Donc, en fait, le but de Fallout Shelter, c'est de créer un abri en fait, de loger, de faire entrer des résidents, puis après de survivre face aux menaces. Moi, je prends l'abri 101. Hein. C'est l'abri dans GTA 3, n'importe quoi. Dans Fallout 3, et créer. Voilà. Donc félicitations Voltec, vous a félicité pour être. Donc du coup, il est disponible bah, sur toutes les plateformes, donc sur téléphone, donc sur Android et iPhone. Après sur PS4, Xbox et PC. Donc voilà. Du coup, là on commence, on n'a rien. On a juste des résidents. Oula, ils arrivent en masse. Donc du coup, on va commencer à construire des quartiers. Voilà. Ouais. Alors, on commence à construire des quartiers. Tac, je vais en construire deux. Oh là là. Ça m'énerve. Et voilà, comme ça c'est fait. Construire. Donc du coup, on va mettre. Un générateur. Ici. On va mettre. Un fast-food ici. On va mettre un truc de traitement d'eau ici. Voilà. Donc lui, on l'a. Ouais, scientifique. Elle, on la met. Elle, ici. Lui, dans. Agilité. Lui, dans. Ouais, agilité. Tac, spécial. Donc en fait on a des quêtes, on a des missions à faire, genre par exemple là vous avez vu mettre Doris dans la bonne salle, donc je l'ai fait. Après tac ici, on va le mettre ici. Est-ce que là c'est déjà 2? Non, on le met ici. Oh, tiens ici. Elle. Oh, tiens, ici. Voilà. Donc vous avez un degré de. Donc ici, le 57, 58%, en fait, c'est le niveau de bonheur des résidents. Donc, astuce pour améliorer vos salles de production pour produire plus de ressources. Pour se faire sélectionner l'icône flèche inférieure. Ouais. Ah, ça par contre c'est chiant. Je sais pas si je peux le régler ici. Astuce va avec. Non, je peux pas. Ah, d'accord. Tac, on va le mettre comme ça. Zoom. On va le mettre comme ça. Tac. Bon, moi je peux pas. Donc du coup c'est mieux, c'est plus fluide comme ça. Voilà, on va le mettre ici. Donc du coup ici on a des capsules à récupérer. Donc vous avez aussi des lunchbox. Donc des lunchbox qui vous rapportera des objets, des armes, des armures, des ressources en haut. Donc là on va faire un petit rush dans cette salle. Risque d'incendie 33%. Voilà. Donc, du coup on a réussi un rush, donc on a une lunchbox. On va aller l'ouvrir directement. Tac. Donc on a 100 capsules.
On a un chevau en plastique. On a 50 de ressources d'eau. On a un pistolet laser rouillé. Et ensuite, un pistolet, un fusil de calibre 12. Donc, du coup, bah voilà. Donc, après, je vais vous présenter les salles. Aussi, vous pouvez détruire les rochers si vous souhaitez avancer. Enfin, descendre plutôt. Donc, les salles, donc, il y a un ascenseur si vous voulez descendre. Quartier, générateur, fast-food, traitement d'eau. Donc, réserve, ça sert à plus vous avez des armes, des armures, du bric-à-brac et tout, bah, vous le stockez là-dedans. Et voilà, et ça sert beaucoup. Infirmerie pour les Stimpaks et pour les Radix. Voilà, donc c'est écrit en bas. Construisez et améliorez les réserves pour obtenir plus d'espace de stockage. Donc, laboratoire ouais, pour les Stimpaks, les Radix plutôt. Le bureau du superviseur pour aller faire des escapades dans les lieux abandonnés, des stations de radio pour que les résidents viennent, atelier d'armes. Pour faire des armes, donc ici c'est pour améliorer le niveau des résidents. Ouais, tout ce qui est donc alors salle de muscu, salle de sport, armurerie, salle de classe, atelier tenue, salle de fitness, saloon, atelier des thèmes pour changer les thèmes, genre Halloween. Si par exemple vous voulez mettre de certaines façons votre truc ou pas, donc voilà, salle de jeu pareil, coiffeur c'est pour changer la coiffure de vos résidents. Nucléaire, c'est un peu plus puissant que la station d'électricité. Jardin, pareil, c'est un peu plus puissant que le fast-food. Épurateur d'eau, pareil. Et atelier Nuka-Cola vous permet d'avoir des Nuka-Cola plus de la nourriture et puis bah, des vivres. Donc là, vous voyez qu'on doit récolter 50 doses d'eau. Et envoyer un résident dans le terre désolé et améliorer un résident d'un niveau. Donc c'est nickel. Donc elle est enceinte, super. Lui, on va le mettre dans quoi? On va le mettre ici, tiens. Tac, tac. On va faire un rush ici. Tac. 33%, ouais, ça reste le même. Nickel. Je vais voir, ils sont à combien de nickel. Je vais faire un rush ici. 43%, vous voyez que ça augmente. Voilà, réussite. Du coup, vous voyez qu'il était à 50, à 53, donc du coup, maintenant il a augmenté à 82. Ça c'est énorme comment ça peut augmenter même si vous changez même ne serait-ce qu'un personnage ça peut tout changer non moi je me suis trompé ouais je vais le mettre ici tac et en plus ça me dit je vous dérange bah ouais tu me déranges non pas vraiment bon bah on va se laisser là pour cette petite vidéo je vous ai presque tout expliqué donc sauf un truc donc vous pouvez envoyer des résidents dans les terres désolées pour qu'ils récoltent des capsules des tenues et des armes donc nickel on va augmenter de niveau celui-là donc je pense que ça va être la fin de la vidéo attendez j'ai quoi là. Ah, j'ai une lunchbox. Bon, la lunchbox, on la récupérera dans l'épisode prochain. Mais voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager, commenter, partager, liker et vous abonner. Et nous, on se retrouve pour le deuxième épisode. À la prochaine fois. Bye.